C'est un vrai ? Aussi vrai que celui des autres. Écoutez, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris ? Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées. Bienvenue à Marly-Gobon. Allez, viens voir. Il y a des noirs devant le baraque d'en face. Qui est con, lui. Ici, c'est la France profonde. Bonjour. Radio de radio. Et les gens sont habitués à voir... ce qu'ils connaissent. Poireau, très bien aussi, très bien, poireau. Pourquoi vous me parlez comme une idiote? Alors bonne chance et bienvenue. Faudrait que je parvienne à gagner la confiance des habitants. Bonjour, bonjour. Ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez du temps avec eux. Je fais tout pour que les gens d'ici nous acceptent parmi eux. Il m'appelle la Noiraude. Moi, c'est Buana Pepito Banania. Si ça n'allait pas. Tu auras au moins essayé. Seules les études permettent de devenir quelqu'un, surtout quand tu es noir. Pourquoi c'est plus dur quand on est noir? Ça y est, tu sois mon premier patient demain. J'aurais jamais mis un copec sur ce noir. Hein. Mais oui, c'est le principe d'une voiture. C'est bon. Au revoir, docteur. Rentrez bien, docteur. Papa, t'as entendu, il t'a appelé docteur. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez, vous aussi? Vous n'avez jamais vu de noir, c'est ça?